ce circuit. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce circuit? Il y a un générateur ici, il y a des fils de connexion, il y a un interrupteur, une lampe, des fils de connexion. Alors, je dessine pour commencer le générateur. Allez, pour changer, je vais le mettre en haut. Comme ceci. Voilà. Plus, moins. Ensuite. Je vois que la borne plus est reliée à un interrupteur, donc je vais dessiner un fil qui est relié à un interrupteur. Alors cet interrupteur, est-ce qu'il est ouvert ou est-ce qu'il est fermé? Alors si on a de bons yeux, on voit qu'il est sur le 1, et 1 signifie qu'il est fermé. Sinon, on peut savoir qu'il est fermé aussi en regardant la lampe, on voit qu'elle brille, ça signifie donc qu'il est forcément fermé. Donc, je dessine un interrupteur qui est fermé. Alors pour ça, je fais un trait et dessus, je fais deux petits points comme ça. Voilà, donc là, j'ai un interrupteur qui est fermé. Après l'interrupteur, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai un fil et après, j'ai la lampe. Donc je dessine la lampe comme ceci. Après cette lampe, qu'est-ce que j'ai? J'ai à nouveau un fil jusqu'à la borne moins du générateur. Donc je vais dessiner un fil qui va jusqu'à la borne moins du générateur et j'ai terminé pour mon circuit.